Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Alors aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment monter des chaînes à neige. Alors déjà, il vous faut quelques informations. La première, c'est savoir si votre véhicule est chaînable, parce qu'il y a des véhicules qui sont dits non chaînables. Et deuxième chose, il vous faut marque, modèle du véhicule et également les bonnes dimensions de vos pneus pour choisir la bonne référence de vos chaînes. En soi, le montage des chaînes n'est pas très compliqué. Il y a tout de même une procédure à suivre et je vous conseille fortement de lire la notice pour éviter de s'arracher les cheveux. Voilà, en plus ça peut faire office de tapis, donc c'est pratique. La première chose, c'est de démêler les chaînes. Alors c'est pas toujours simple. Voilà, donc il faut prendre le cerceau métallique en hauteur et bien s'assurer que les chaînes ne se mêlent pas. Une fois la chaîne bien démêlée, vous devez prendre le cerceau métallique et le glisser derrière la roue, comme ceci. Et ensuite, le refermer au-dessus. Alors, il y a un petit clips. Et placer ce cerceau derrière, vraiment derrière la bande de roulement. Ensuite, ramener les maillons. Alors ici, il faut mettre le maillon jaune dans le crochet jaune, comme ceci. Et ensuite, le crochet bleu avec le maillon bleu. Alors ici, on a affaire à un système de tendeur automatique. Donc il faut le positionner sur drive pour bien que ça se tende. Alors quand votre chaîne est positionnée comme ceci, vous devez effectuer à peu près 50 mètres, vraiment à allure modérée, pour que la chaîne se tende et qu'elle se centre. Donc vérifiez bien après 50 mètres que la chaîne est bien tendue et bien centrée. Voilà, donc notre chaîne est parfaitement tendue, bien centrée. Donc là, vous pouvez prendre la route en toute sécurité. Mais encore deux choses. La première, c'est de ne jamais dépasser les 50 km/h. Et la seconde, évitez le plus possible de rouler sur bitume, car là, vous allez les abîmer, voire les casser. A bientôt sur l'Argus.fr.